On se recolle très tard ce soir, 19h. Coller avec deux articles, on va dire trois articles, vu qu'il y a deux quantités dans un article. Je comprends pas pourquoi c'est déchiré comme ça sur le contour. Papier de protection contre les chocs. Il y en a un petit paquet. Ils sont tous très bien protégés dans leur boîte en carton, donc anti-choc, c'est très très bien. Donc deux boîtes pareilles et une boîte un peu plus gros et assez lourd apparemment. Waouh! De même article. Non, il m'en faut 5, mais j'ai pas les moyens pour acheter en tout en même temps. C'est la pièce principale, donc c'est écrit Data Storage Master. Donc c'est un boîtier externe USB sous forme de NAS. Donc comme ici ça n'utilise pas le réseau, donc on n'appelle pas NAS mais DAS. Une boîte séparée. Le boîtier DAS bien protégé, la mousse sur les côtés, on retire la boîte. Voici la bête, le boîtier Terra Master. Donc il est protégé. Ici. Donc les pieds avec les patins anti-dérapants, 4 petits boutons,
Et là, les petites informations. Donc le câble, tout ça, c'est dans cette boîte. Donc ça, dessin 300 ici. Avec le bouton de démarrage et les emplacements pour les disques durs. Des disques standards, normal, disque 3.5 pouces. C'est pas un NAS, c'est un DAS, c'est-à-dire ils n'utilisent pas le réseau pour le partage, mais uniquement, en fait, c'est la même façon de travailler, sauf au lieu d'utiliser le réseau par Internet, lui, il utilise le câble USB pour les données. Donc, on va voir ici. USB 3.0 type C. Ici, on va zoomer. Voilà. USB-C, type C, USB 3.0, prise DC pour l'alimentation, deux ventilateurs pour le refroidissement des disques durs, de 3.5, et il y a 5 emplacements avec des indicateurs de LED pour chaque disque dur. Comment ça marche? Je ne connais pas encore. Ah, il faut forcer légèrement, tirer. Je vais monter ici. Et on a le rack pour disque dur HDD 3.5 en SATA normalement. D'accord. Donc on fixe les disques durs sur les quatre pointes ici. Et à l'intérieur, c'est les prises SATA. Donc voici pour chaque disque dur. Et on peut créer des RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tout comme les NAS. La seule différence, en fait, c'est juste la façon de partager. Le NAS, c'est pour partager en réseau. Et là, il n'y a pas de réseau. Il utilise juste un câble USB. J'arrive pas à faire rentrer câble USB. Ah, d'accord. Donc il faut forcer pour faire rentrer ou quoi? Non, ça marche pas. Ah, c'est là. Moi je fais glisser sur le truc qui le bloque. Donc c'est dans le creux. Je suis bête. Donc il faut ouvrir avant de pouvoir faire rentrer, sinon ça rentre pas. Donc là je vais fermer, je vais faire rentrer dans l'espace et non dans le truc. Ça coince le haut. Donc il faut ouvrir. Non. Quand on ouvre, ça descend et après on peut faire rentrer. Donc bien ouvrir avant de faire rentrer. Voilà, ça rentre. Donc le boîtier est en aluminium, il est assez lourd, il fait son petit poids. Voilà, donc pour le boîtier DAS, le câble USB, tout ça, l'alimentation, voilà, DC. Prise français EU, des vis pour fixer les disques durs
sur les racles. USB-C type C 3.0. Et l'autre bout, USB A. Ah, du coup, heureusement, je pense que c'est encore un câble. Je pense que c'est USB. Ah si, USB-C. Ah non. C'est non. Il se branche en USB A sur, sur le PC. Les pieds antidérapants supplément de dans les vis que j'ai déjà vu. Donc on peut indiquer les numéros, un nom pour chaque racle. Et c'est comment on colle, on colle comment dessus, c'est moche. D'accord, on colle à l'horizontale sur la base. Manuel garanti, garanti manuel en chinois, en chinois ou japonais, 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 coréen, chinois, anglais, russe, italien, espagnol, français. Anglais, japonais, coréen, chinois dernier. Là, ça doit être russe. Dish, stash, rouge, allemand, fresh, plat. Installer le italien, installer le disque français, espagnol. Ah, on peut ouvrir les deux côtés. C'est pour ça que j'ai pas vu des trous pour le vis. Donc il faut écarter pour voir le trou et installer les disques durs. On peut aussi installer des disques 2.5. Comment ça? Comment on installe 2.5? Ici en bas. D'accord, il y a des trous. Petit trou et trou, soit les deux grands trous pour les disques 3.5 et ici 2.5. D'accord, de côté. Et je fais tomber une pièce. C'est pareil les deux côtés. Hein, que je gourpe. Donc il y a une. Oh non, c'est pas le numéro. Ah, c'est les flashs. Donc les deux côtés sont pas pareils. Les flashs, c'est au bout. Voilà. D'accord. Ok. Ok, ok. Voilà. Donc on va coller ça après. USB. Alimentation et vis de fixation. On termine ici pour le boîtier d'AS. Un tout petit peu plus de 260 euros. Les disques durs, du coup. Normalement, comme il y a 5 places, je dois commander 5 pièces, mais j'ai pas trop les moyens. Donc, c'est mes derniers ronds que j'ai mis dedans parce que j'ai presque plus de place sur mon PC, pourtant qui comporte combien, 12 Tera. Il y a 8 Tera. J'ai 34 Tera qui est presque plein. Donc en même pas 6 mois pour le montage. Et là, comment on fait? Push. Push et... C'est quoi? Pourquoi
push here, open here, push and open here. Ouais, c'est un nouveau système que je connais pas du tout. C'est génial. C'est comme une pochette en cuir. Comment il fait? Push. Non, c'est autocollant. Autocollant, mais qu'on peut retirer. Ça détache comme la peau bouillie dans l'eau. Voilà. Et comme un col. C'est très costaud. Donc c'est un ciguette. On va zoomer. Ça prend trop la lumière. Voilà. Donc, disque dur. Seagate. CS Terabit. C'est un EXO X18. Donc, il tourne à 7400 tours. Où je peux voir les infos. Donc c'est au SATA. SATA modèle STL014. Fabriqué production de Thaïlande. Ah, c'est bien. Thaïlande, c'est magnifique. Et j'ai d'autres infos là que j'arrive pas à l'avoir. Non, j'ai pas d'infos ici. Et où est-ce que je peux avoir d'autres infos? Donc, c'est du SATA. Ici. Je retire. Donc, par contre, j'avais pas bien lu. Donc en bas, ça se voit. Donc les prises connectiques SATA, c'est à l'extérieur. Je dézoome pour qu'on puisse voir le plan éloigné. Voilà. Donc les trous, c'est vers le bas. Ici, en bas, ici il y a l'espace et la connectivité SATA à l'extérieur. Donc, en fait, si j'ouvre, voilà. Comme ça, c'est tout. Donc, on voit bien les trous à travers. Trois trous qui va tous ensemble. Voilà. Donc ça, avec la flèche vers l'extérieur, vers la connectique. La petite flèche ici vers l'extérieur. Juste en posant, ça permet de maintenir. Il faut fixer quand même, je crois, pour ne pas faire trembler. Ah, d'accord, il est fait en plastique, le petit bout. C'est contre les vibrations. J'avais oublié, il y a des vibrations qu'il faut éviter pour ne pas faire du bruit. Voilà, un disque dessus. Donc, on laisse ouvrir. Ça permet de passer. Et en fermant, il va se soulever. Donc, il y a encore un autre disque dur ici. Donc, je vais tester les disques durs pour voir si ça fonctionne et à la bonne vitesse.
Voilà. C'est le nouveau système. Voilà. Et recyclable. Voilà. Donc c'est super la boîte. Donc, connectique, on retire cette barre de fixation d'un côté, trois trous, donc la partie basse, comme ça, et on voit bien les trous qui s'alignent correctement avec les trous du disque. Sans besoin de vis, en fait. Cette barrette fait office de vis pour bloquer, pour s'insérer sur le disque dur et le bloquer par rapport au racle. Là, il est parti. La petite flèche ici, on l'insère, et là ça bouge plus, ça coince complètement. Là, on va l'insérer. Le deuxième. Voilà. Ici. Câble USB. Voilà. Donc on va tester les disques durs pour voir si ça fonctionne correctement ou pas.